Hello Miss Citron, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo J'ouvre vos cadeaux. Bon, je pense que le concept est devenu un peu normal sur ma chaîne, je pense, parce que vous adorez ça et c'est vrai qu'au début, je ne pensais pas que vous allez autant kiffer. Enfin bref, aujourd'hui, on va ouvrir les cadeaux des personnes qui ont les yeux fermés. Donc, c'était quelque chose que vous aviez proposé. Ouais, honnêtement, j'ai jamais fait attention à vos yeux lorsque j'ouvrais vos cadeaux. Oh! On a une salutation de Byun, de la vraie Byun en pleine vidéo. Eh ben dis donc, la Byun est réveillée à cette heure-ci. En tout cas, si j'en profite également, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne à Byun. Je vous la mettrai en description, sa chaîne. Et là, ça c'est son vrai compte officiel sur Movistar Planet à Byun. Donc n'hésitez pas également à l'ajouter sur Byun, sur MSP. Voilà. Donc merci beaucoup. De toute façon, juste après la vidéo, j'irai la remercier quand même sur le Discord, peut-être qu'elle y est. Enfin bon, on se retrouve dans cette vidéo pour ouvrir les cadeaux des personnes qui ont les yeux fermés. Apparemment, les yeux fermés, c'est-à-dire, c'est les personnes... Ah, voilà, comme par exemple ici, Miss Noire, du coup, ouvrir son cadeau. Et, est-ce que ça compte, les bandeaux? Oh non! Oh non, tu n'as pas le droit! Tu n'as pas le droit, ça devrait être interdit. on pourrait parler en PV. Le mieux c'est que si vous voulez m'envoyer un message, je répète, je répète, c'est sur Instagram ou sur Discord, parce que sur MSP, si c'est important ou quoi, il y a peu de chances que je vois votre message, parce que je reçois tellement, dès que je me connecte, j'ai au moins 100 messages qui me disent coucou, donc c'est compliqué de voir les messages des personnes qui ont vraiment une question à me poser, ou quelque chose d'important ou d'urgent, donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur Discord, de toute façon vous avez tous mes réseaux sociaux en description. Bon écoutez, on va ouvrir aussi également les cadeaux des personnes qui ont par exemple un bandeau sur les yeux, puisque je ne peux pas savoir si les yeux sont fermés ou ouverts. Du coup, on va les ouvrir. Alors ouais, c'est quoi? Ça c'est sur le visage? Ah oui, c'est le drapeau USA, mais avec des couleurs cheloues. D'accord, ok. Et bien on continue, on va chercher les personnes aux yeux fermés. Là pareil, hein, je pense qu'on va l'ouvrir parce qu'on sait pas trop si elle a les yeux ouverts ou fermés. Donc tout ce qui a un masque également et quelque chose sur les yeux qui... que je ne puisse pas deviner. Oh, oh, ces cheveux sont chelous, mais c'est original, merci. Et là, j'ai vu, il y a Sia Sia, donc je vais essayer cette fois-ci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si j'ai loupé des cadeaux et dites-moi à quelle page j'ai loupé les cadeaux. Enfin, pas à quelle page, à quel temps, à combien de minutes de la vidéo j'ai raté quelque chose, que je me rende compte pourquoi, la raison du pourquoi je rate des cadeaux. Et merci à toi, boîte de frites. Oh mon dieu, vous savez, au moment où la salutation est apparue, mon ventre a littéralement grogné. On va dire que j'ai juste mangé un peu de pastèque et de banane à midi, tu vois, donc j'ai la dalle. Et puis les frites, ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi, boîte de frites. Également, je te fais un très très gros bisou, n'hésitez pas à l'ajouter. Merci beaucoup à toi pour la salutation, c'est super gentil. En plus, elle a de très très beaux yeux. Hop, on va porter et on continue. Ça va bien avec la couleur de mes sourcils, cette couleur. Hein. La fille qui a sorti à ses sourcils. Bonjour. Et là, ah bah écoutez, on a les cadeaux de Sia Sia. Et vu qu'elle a les yeux fermés, et ben ça va faire pas mal de cadeaux à ouvrir ici, dis donc. On va ouvrir tous les cadeaux de Sia Sia. Sia Sia 1423, d'ailleurs, merci à tout le monde. Hein, même aux cadeaux auxquels je n'ouvre pas encore, je vous remercie déjà à l'avance. Merci beaucoup. Ah, des petites chaussettes. Par contre, Lolo, elle va se connecter, elle va se dire « Oh non, elle a encore ruiné mon look !» Ah, un petit tatouage, merci beaucoup. Mais ouais, Lolo, elle va se connecter sur le compte, elle va dire « Non, elle a encore ruiné mon look !» Après, quoique, elle m'a peut-être envoyé une tenue à sortie, je ne sais pas, on va voir. Oh, ça c'est... ça aussi, c'est un rare, les ballerines là. Ce sont des rares, ces ballerines. Ce sont des rares. Hop, oh, voilà, comme ça c'est une belle gosse. C'est une belle gosse. En vrai, on dirait moi avec les racines jaunes après la déco. Ça c'est quoi? Lightning flash, c'est sur la tête. Il est allé où? Il est allé là, j'ai l'impression, non? C'est sur la joue, je crois, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci Sacia pour les cadeaux et merci tout le monde d'ailleurs. Et ici, on continue. Ici, je ne vois personne. J'ai l'impression... Alors, je dis bien, j'ai l'impression, parce que je ne peux pas être sûre. Si je savais que j'avais raté des cadeaux, j'y retournerais. Mais là, je pense que je n'ai pas raté de cadeaux encore. Et ici, on a Chatal 12. Ça doit être ça. Ah, les petites lunettes.
de soleil. En plus, c'est vrai qu'il fait vachement beau chez moi en ce moment. Il y a du soleil à bord. Mais bon, apparemment, ils ont prédit de la pluie dans pas longtemps et pendant plusieurs jours. Donc j'espère que ça va pas encore inonder ma cave. Hein, merci. C'est vrai que j'avais des caves inondées chez moi. Hein, ça fait plaisir. Bon, heureusement que j'ai des sortes de d'étagères où j'ai tout posé. J'ai pas posé par terre. Donc c'est pas grave. Mais voilà quoi, c'est quand même chiant. Ici je vois rien, en tout cas les ailes elles sont vachement belles. Franchement j'adore les ailes. Ici, ah bah ça va, il y a quand même pas mal de gens avec les yeux fermés. Franchement je m'attendais à qu'il y ait quand même moins de personnes. Accepte-moi s'il te plaît. Oui, vous inquiétez pas, j'accepterai dès que je peux, je vous accepte, il y a pas de souci. C'est juste que en fait j'accepte pas tous les jours parce que franchement ça prend énormément de temps. Et vu que je suis déjà à 2500 amis et là il y a marqué 94 demandes d'amis, mais en vrai il y a 940 demandes d'amis. Il manque un zéro parce que les zéros rentrent pas dans la bulle. Mais effectivement il y a 940 demandes d'amis et c'est très compliqué à gérer autant de demandes. En vrai je pourrais même pas accepter tout le monde. Je crois qu'il y a deux personnes dans le tas, je pourrais plus accepter si j'acceptais tout le monde. Donc ça va très très vite, on va dire ma liste d'amis se remplit très très vite et bientôt je vais devoir faire un tri. Et les tris c'est long, c'est très long, c'est très chiant. Et puis forcément il y aura toujours des gens après derrière qui vont venir et vont dire oh, tu m'as enlevé de ta liste d'amis. Et quand je vais leur dire oui mais t'as pas vu la vidéo, ah bon quelle vidéo. Du coup c'est compliqué mais voilà, je rappelle pour les personnes, tant qu'à faire, je fais un petit rappel. Mais si vous me demandez en ami, moi j'accepte tout le monde à partir du niveau 15. Bien sûr, il faut juste que vous soyez un minimum, alors j'ai bien un minimum, je vous demande pas d'être tous les jours sur ma chaîne YouTube, mais de faire juste attention parce que des fois je fais une vidéo tri dans laquelle je vous demande de mettre votre pseudo en commentaire et après ne soyez pas choqués si je vous enlève de ma liste d'amis parce que vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous demande même pas de la regarder, je vous demande juste de mettre le commentaire pour la vidéo. Et merci à toi Fanny Liora pour la salutation, merci beaucoup Fanny Liora, elle m'a envoyé tellement de salutations toujours, et puis moi je la cache avec mes ailes, pas gentil. En vrai, les cadeaux de Juliana, une petite robe noire. C'est vrai, le look, franchement, il est pas si destroy que ça. Franchement, il y a pire, il y a pire. Par contre, comment ça se fait qu'ils ont les yeux fermés? C'est une émotion, les yeux fermés? Oh, le jeans non, jaune. Merci. Un jeans jaune, ça c'est bien parce que le jeans jaune, bah, c'est la couleur du citron, c'est la couleur de l'été. Il fait beau, il fait chaud. On va profiter. Là, il n'y a pas de yeux fermés. Là, Sandra. Sandra, je te vois. Les petites roses, ça fait un petit rappel de couleur avec les chaussures. Bon, là, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, on n'est plus très très bien. Alors là, c'est pas des yeux fermés. Hein. Je vois que les yeux sont ouverts. Hein, au cas où vous êtes là en train de vous dire, oh, elle a raté. Non, elle a les yeux ouverts. C'est juste qu'on a l'impression qu'ils sont fermés parce que c'est des petits yeux. Et Mademoiselle Romane, ici, qui a les yeux fermés, elle aussi. Donc, comment ça se fait qu'ils ont les yeux fermés? C'est une émotion ou c'est genre, des fois, sur la photo, ils ont les yeux fermés aléatoirement? Je ne sais pas. Enfin bon, on va mettre ça. Ça fait un sort de legging. Ça va bien avec la robe. Par contre, en été, porter que du noir. C'est pas forcément une super bonne idée, hein, puisque pour les gens qui ne le savent pas, le noir attire la chaleur. Et quand il fait déjà chaud, ben attirer la chaleur, c'est pas ouf. Ce serait bien un truc pour égayer un petit peu le look, un peu de couleur, ce serait pas mal. Hein. On compte sur toi, Pop VIP. Ben non. Mais ça reste quand même assorti aux chaussures. Enfin, plus maintenant. Quoique avec les lacets de la chaussure gauche. Ça peut aller. Allez, on continue. Ici, est-ce qu'il y a des yeux fermés? Oui! Il y a Shaima la poubelle là. La poubelle là, la papaya. C'est à cause de Byun que je dis ça maintenant. C'est à cause de toi, Byun. On ouvre encore les cadeaux par-ci. Un short. Bon, ce sera déjà mieux qu'un pantalon pour l'été. Tu peux, je pense, accepter ton ami, s'il te plaît. Tu peux être ton ami. Alors, je suis déjà l'ami de moi-même, effectivement. On va peut-être pas le porter celui-là. Mais je pense qu'elle a voulu dire tu peux m'accepter en ami. Et comme je vous ai déjà répondu tout à l'heure. Voilà, voilà. Allez, on ouvre les cadeaux. Oh, c'est beau. C'est la première fois que je l'ai, cette robe. Dites-moi voir d'où vient cette robe en commentaire. Parce que je ne sais absolument pas d'où elle vient, cette robe. Et elle est belle. C'est la première fois que je la vois, tiens, voilà. Et en tout cas, merci beaucoup à toi, Mademoiselle Movistar. Ça fait toujours plaisir de voir des choses que je découvre, parce que je ne connais pas cette robe. Donc dites-moi d'où elle vient. Parce que moi, j'ai jamais vu quelqu'un la porter. C'est la première fois que je la vois.
Ça se fait, c'est un rare, ou ça se fait, ça vient d'un pack, ou c'est peut-être un objet qui a disparu, enfin une robe qui a disparu, ou tout simplement une robe qui est cachée loin dans les vêtements et que du coup je n'avais pas l'occasion de voir. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire, parce que moi je suis pas super calée sur certaines choses, sur certains points, et surtout sur les points de savoir d'où viennent les vêtements. Voilà, bon, il y en a certains quand même que je sais maintenant, hein, mais d'autres non, comme par exemple cette robe, donc n'hésitez pas à me dire. Et là, nous avons Lorane. Ah non! Ah, elle a des trous dans le visage. On va le porter. On va le porter, ça va enlever la jolie robe, mais c'est pas grave, le jaune ça va bien avec le pantalon en plus. Et c'est une couleur de l'été, on adore. Ici, il y a Julia qui a aussi les yeux fermés. Hop là, et encore Julia, voilà, donc merci pour les cadeaux. Oh! Ça c'est sympa, c'est les pantalons pattes d'œuf qui étaient très à la mode dans les années 90. On adore, bah même moi, hein, quand dans les années 2000 et quelques, quand j'étais encore une enfant, eh bien, on portait des pattes d'œufs, c'était la mode. Voilà. Ensuite, ici, nous avons Rare, qui a les yeux fermés, et ensuite, petite framboise, mini cat, et bah dis donc, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens les yeux fermés, mais écoutez, hein. Oh, des petits citrons, des petites boucles d'oreilles citron. Il y a aussi un collier citron qui est pas mal. Par contre, je crois que les boucles d'oreilles, je ne les avais pas. Ah, petite casquette, là on dirait une Thug Life des années 70, bonjour. Oh, ça je l'avais pas non plus, je crois, hein, ce haut-là. Il est sympa aussi, il est sympa. Et ben écoutez, on va faire encore une ou deux pages. Ici, nous avons Fabulous Emma. Une petite nuage, un petit nuage. Je dis ça avec l'accent asiatique. Merci, je vois quand même vos messages. Merci beaucoup, c'est super gentil. Je suis désolée de ne pas pouvoir ouvrir vos cadeaux du coup. Mais voilà, aujourd'hui c'est l'ouverture de cadeaux des yeux fermés. Voilà, on ouvre les cadeaux les yeux fermés. Lol, jeu de mots de merde. Bonjour. Les petites chippies, on va ouvrir ça. J'espère que tu aimeras. Ah, j'ai envie d'ouvrir des fois quand je vois les messages, mais je peux pas. Je ne peux pas. Allez, encore une dernière personne pour finir. Ici, voilà. Donc du coup, ce sera la dernière page. Du coup, la dernière personne que j'ouvre le cadeau. Hop, et on finira avec les cheveux bleus. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voudriez voir comme prochain ouverture de cadeau. Également, ce que vous voudriez... Enfin, la robe de tout à l'heure, dites-moi ce que c'est, d'où ça vient. J'aimerais bien savoir, voilà. Et moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao. Are you good enough to wait for me? We're having too much fun to disagree.